Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2 du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAOA 1B, consacré aux centres nationaux de spécialisation CNS, la banane plantain a été choisie comme filière de spécialisation en Côte d'Ivoire. Dans l'optique d'accélérer l'atteinte des objectifs assignés au CNS plantain, un atelier d'actualisation des programmes de recherche et de transfert de technologies pour la période 2014-2016 a été organisé à Grand Bassam en Côte d'Ivoire du 9 au 13 décembre 2013. On prit part à cet important atelier plusieurs institutions régionales et internationales de recherche et des acteurs nationaux du CNS plantain que sont les producteurs, les commerçants, les transformateurs et les structures de recherche et de vulgarisation. À mi-parcours des activités du PPAOWAP 1B, des recommandations ont été formulées dans le sens de l'amélioration du dispositif d'exécution des activités du CNS plantain. L'actualisation des programmes de recherche et de transfert de technologies s'est avérée nécessaire en vue d'amorcer le processus permettant de faire à terme du CNS plantain un centre d'excellence. Au cours de l'atelier, une présentation de l'état d'avancement des activités et des projets en cours au sein du CNS plantain et le point des programmes sur la banane plantain en cours d'exécution dans leur institution a été respectivement fait par les acteurs nationaux, régionaux et internationaux. Généralement, on dit les diabétiques, il ne faut pas manger de la banane parce qu'il y a du sucre dedans et tout ça. Donc, nous avons, sur un certain nombre de mets que les gens consomment habituellement, qui vont de la loco au foutou, au foufou, aux chips, à la banane braisée, essayer de déterminer ce qu'on appelle l'indice glycémique. L'indice glycémique, c'est la quantité de sucre qui n'est pas bon dans ces mets-là. Et nous avons découvert qu'il y a des mets qui peuvent être consommés par les diabétiques sans problème. Je prends l'exemple de la loco, par exemple. La banane braisée est un indice glycémique plus élevé que la loco. Alors qu'a priori, on dirait à un diabétique, il faut manger de la banane braisée, mais il ne faut pas manger de la loco. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de poursuivre. Nous allons faire les tests donc grandeur nature et puis pouvoir informer les diabétiques qui peuvent consommer de la banane, mais sur les formes précises. La restitution du voyage d'échange à Ambrapa, au Brésil, organisé par la coordination régionale du PPAOWAP, au cours du mois d'août 2013, a permis aux participants de l'atelier de s'imprégner du savoir-faire d'Ambrapa en matière de recherche sur la banane plantain et d'identifier les axes de collaboration avec cette institution. En somme, la synthèse de ces activités menées au niveau national et international par le CNS plantain a servi à déterminer les points qui nécessitent d'être renforcés. Pour ce faire, des groupes de travail ont été constitués autour de trois thématiques portant sur la production, la conservation-transformation et l'accès au marché. Les réflexions menées au sein de ces groupes ont abouti à l'élaboration d'un plan d'action bâti autour de plusieurs aspects, dont entre autres la mise en œuvre d'une méthodologie cohérente et pertinente pour la diffusion des technologies éprouvées, la mise en place d'équipes de recherche composées de chercheurs pluridimensionnels nationaux et internationaux et une meilleure synergie entre la recherche et la vulgarisation. La mise en œuvre de ce plan d'action permettra au CNS plantain de répondre avec satisfaction à la fin des 5 années d'exercice aux critères de passage à un centre régional d'excellence. Les partenaires au développement, en collaboration avec le gouvernement ivoirien, ont entrepris plusieurs actions afin d'appuyer la stratégie nationale de développement rizicole en vue de contribuer à la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que depuis 2012, le projet régional pour l'amélioration de la production du riz en Afrique de l'Ouest, APRAO, initié par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, a mené des activités participatives impliquant tous les acteurs de la chaîne de valeur du riz. Avec l'appui de l'ANADER et de l'ONDR, le projet APRAO a mis en place la plateforme Riz de Gagnoa, visant l'amélioration durable de la production rizicole locale et l'augmentation des revenus des acteurs intervenant dans ce secteur. La rencontre avec les acteurs de cette plateforme
permet de découvrir ce modèle de réussite qui fait la fierté des acteurs et contribue à l'essor du riz local. C'est dans le cadre du projet amélioration de la production du riz en Afrique de l'Ouest, en réponse à la flambée des prix des denrées alimentaires. Ce projet qu'on appelait APRAO, que nous avons réussi ici en 2012, nous avons réussi, disons, pour organiser les producteurs, sinon organiser les bénéficiaires, nous avons réussi à mettre en place une plateforme. Donc c'est depuis le 1er août 2012, après la réunion que nous avons eue avec tous les acteurs au niveau de la zone des Gagnoua, disons à la zone des Gagnoua, que nous avons décidé d'un commun accord de mettre en place cette plateforme-là. En effet, la plateforme consacrée à la production du riz blanchi réunit en son sein les riziculteurs, les usiniers, les semenciers, les transporteurs, les commerçants, les institutions bancaires et les structures de commercialisation de produits phytosanitaires. L'interaction entre ces différents acteurs a permis de donner de la valeur ajoutée à la production du riz à Gagnoua. Une relation gagnant-gagnant dans laquelle chaque acteur bénéficie d'un avantage particulier. La plateforme a vu le jour le 1er août 2012. On allait sur la base d'un comité de gestion. Et nous avons eu deux matériels, deux motocross, deux batteuses vendeuses. Vu que ces derniers étaient vraiment insignifiants, il fallait installer un comité de gestion pour gérer ces matériels, pour que tous les résiculteurs n'ont qu'à plus avoir accès à ces machines. Alors on a mis un comité de gestion en place, on a fait un mini-vote. Et vraiment, j'ai été choisi comme le président du comité de gestion de ces matériels. Avant la mise en place de cette plateforme, les acteurs agissant de façon individuelle étaient confrontés à quelques difficultés. Effectivement, quand on n'était pas encore ensemble, vraiment, c'était de la concurrence. Parce que chacun vraiment voulait avoir le riz padi avec tous les moyens. Alors même si un usinier finance un résiculteur, et que ce résiculteur se trompe d'envoyer son produit chez notre usinier, l'usinier met la main dessus, il va essayer d'usiner puis vraiment écouler. Oh, pourtant, il y a l'autre qui lui est financé. Parce que je ne peux pas avoir du produit laissé parti. Là, ça fait que vraiment, le courant n'est pas vraiment trop vraiment, entre nous avec ce schéma. Avant qu'on finance nos riziculteurs, on les finance, on leur donne le financement, on leur donne encore des produits intrants. Mais après 3 mois, vraiment, c'est difficile, il faut courir derrière eux. Vraiment, si tu as la chance, si tu n'as pas la chance que tu prends ton riz, le riz, tu devais revenir à l'usine, il prend ce riz, il s'en vend ailleurs. Donc, quand c'est comme ça, c'est la police, c'est pas joli à voir. Alors que nous avons pris des engagements face à l'opérateur au niveau des phytos. Parce que si le résiculteur n'arrive pas à payer, c'est nous, les usiniers, qui payons à sa place. Le padi était vendu de manière anarchique parce que chacun allait livrer sa récolte sur le marché de manière individuelle. On n'avait pas une idée fixe du prix. Tu arrives, c'est ce que le vendeur va te demander, il va t'imposer comme prix que tu es obligé d'accepter. On avait des difficultés de pouvoir évacuer les produits sur les unités de transformation. Souvent quand c'est la période de café cacao, tu as besoin de camions, les camions sont partis en brousse. Le paysan, il a coupé son riz, il a tapé son riz, il l'a mis dans le sac. Il ne veut pas que son riz reste en brousse. Il faut un camion vraiment pour qu'il vienne avec ça en ville. Le mécanisme mis en place au sein de la plateforme a permis de favoriser la production du riz et l'approvisionnement des unités de transformation en padi. Depuis que je suis dans la plateforme, en tout cas, je me sens vraiment dans une communauté qui me ressemble aussi. Parce qu'on était trop individuel au début. La plateforme nous réunit pour nous donner la force dans nos activités et accueillir des appuis. Ça, c'est grâce à la plateforme. Donc, j'ai senti maintenant ma production s'améliorer et mes moyens de travail aussi en amélioration. Puisque nous avons déjà acquis quelques matériels tels que machines, batteuses, vanneuses, des séchoirs, tout et tout. Donc, ça, avant, on n'avait pas la facilité d'acquérir ces matériels-là.
nous, en tant que semenciers, les usines et les coopératives qui sont membres de la plateforme ont des membres. Et nous présentent les besoins. Ils nous disent que nous avons besoin d'une telle quantité de semences et de telle variété. Et à tel moment. Donc nous faisons une programmation et nous produisons la semence pour mettre à leur disposition. C'est comme un réseau. On a un grand réseau, il y a les riziculteurs qui sont là, il y a les usiniers qui sont là. Par exemple, quand le magasin est vide, le riziculteur s'arrange à nous apporter le riz à l'usine. Et là-bas, même si c'est la nuit, à cause de la plateforme, l'usinier est obligé de travailler pour que notre magasin soit rempli. Donc ça fait qu'on a vraiment, vraiment cette grâce de pouvoir avoir le riz en permanence. J'ai appris des techniques que je n'avais pas au début. Tout ça, c'est grâce à la plateforme. On nous a formés dans les champs. On a fait des champs d'expérimentation dans les sections. Le suivi a été vraiment d'un engouement vraiment intéressant. Quand on a suivi cette formation, nous, on a répertorié individuellement chacun chez soi. Effectivement, on a vu les résultats. Précédemment, nous multiplions de la semence, nous produisions, mais on ne savait pas où vendre. Il fallait d'abord que la semence soit véritablement certifiée, ce qui est un problème en Côte d'Ivoire. Et donc, ce qu'on faisait, on ne pouvait pas vendre en dehors de Gagnoua. Mais donc, il fallait trouver un marché sur place. Avec donc la plateforme, ça nous a garanti la vente de nos produits. Donc aujourd'hui, quand nous produisons la semence, nous sommes sûrs de vendre. Avant la plateforme, la moyenne était 2,50 tonnes à l'hectare, 2,5. Maintenant, nous sommes à 4,5 tonnes.